bienvenue pour un nouveau vlog. Oui. Bon, première nuit, on va dire que Jessie n'est pas habituée à dormir dans une tente, donc c'était pas forcément hyper méga facile. Mais là, il est quoi, 8h30? Ouais. Je vous cache pas qu'on a tous envie d'une chose au réveil. Dormir. C'est ça? Non, c'était pas ça. Non, je leur ai dit, hey, les gars, faut aller au petit coin là maintenant tout de suite. Ouais, ça, donc, première chose de la journée. Oui, parce que fun fact du camping, c'est que même si la nuit t'as envie d'y aller, bah, t'y vas pas parce que sinon tu veux pas réveiller les autres. Parce que tu vas ouvrir le Mais c'est ça en fait. Tu vas embêter tout le monde. Sinon tu te dis tu vas réveiller tout le monde, donc tu te retiens. Donc première expédition de la journée, les toilettes. Il n'y a pas de toilettes, c'est dans la tente. Il n'y a pas de toilettes dans la tente. Mais comment on fait? On va aux toilettes. Et alors, le truc hyper drôle, c'est que Jessie me dit, mais on y va en pyjama? Oui. J'ai dit, oui, le truc au camping, c'est qu'on va en pyjama, on s'en fiche. Ah, ça l'a fait beaucoup rire. On y va pas en pyjama. On y va en pyjama. On y va avec les habits. C'est bon, on est revenu. Qu'est-ce que tu veux manger, chérie? Ou boire? Je veux manger une brioche et du jus d'orange. Une brioche et du jus d'orange. Du jus d'orange et la brioche. Et voilà. Oui, on te ramène un petit verre. Et Jen, elle s'était pris un petit café latte. Oui. Et nous, avec Sam, on part en mission café. Café. Oh, c'est pas loin, c'est juste en bas. À tout de suite. Tout de suite. C'est bon, on a nos petits cafés, on remonte. Petit déj terminé. Et on vous voit. Un câlin. Wow. C'est le petit câlin du matin. Oui. Oui. Et maintenant, direction la douche. Bah oui, Jessie. Puisqu'il n'y a pas de douche non plus sous la tente. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. Ah, voilà. J'en étais sûre que toilette allait refaire possible, sur ça. Ça l'a fait beaucoup rire. Eh ben non, il n'y a pas de salle de bain dans la tente. Mais que fait-on avec nos affaires, serviettes, gel douche, dans les mains? Eh ben c'est ça le camping. Ben, on va prendre notre douche, mais forcément, il n'y en a pas dans la tente. Non. On va là où tout le monde va se doucher. C'est ça. Quand on fait du vrai camping. Ouais. Voilà. Coucou. Il y a quelqu'un là-dedans. Et t'as ouvert pour regarder dehors. Mais quoi que Vous êtes trop coquines toutes les deux. Oui. C'est bon, on est prêts. Ouais. Maintenant, on va se balader. Ouais. Du coup, on s'est arrêté à Saint-Paul-Trois-Châteaux pour faire un petit tour. Et ouais. Sam me dit, regarde, c'est un ancien lavoir. Alors, tu sais quoi? En fait, je fais, parce que ça me rappelle mes souvenirs, de quand j'étais beaucoup plus jeune et que je suis allée au Portugal avec une amie. Ouais, un jour j'ai été plus jeune. Il y a très 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 longtemps. Et on allait laver notre linge au lavoir parce que sa grand-mère, le village où elle habitait, bah, déjà il n'y avait pas de machine chez elle. Et voilà, on faisait encore. Là vous vous dites, mais c'était dans l'ancien temps. Ben en fait, oui et non. Hein, mais voilà, les tout petits villages au Portugal, il n'y avait pas de machine à laver au moment où moi je suis allée en vacances. Enfin, pas chez tout le monde en tout cas. Voilà. Mais alors cette ville est vraiment trop mignonne. Et très fleuri aussi, je trouve. Ouais. Ouais. Puis ça fait un petit côté fraîcheur aussi quand on passe en dessous. C'est trop chou. Oh bah là, c'est encore plus fleuri. C'est carrément la devanture. En fait, il y a vraiment des balconnières partout. Je trouve ça très mignon. On s'est posé pour manger un petit bout. On commence par boire et waouh, il était super bien servi ton sirop de fraises. Il est bon? Oui. Oui. C'est bon les pâtes. Ouais, c'est Sam, il lui a dit, vas-y, tu roules, et comme tu es des spaghettis, t'as le droit d'aspirer. Oui. C'est pas évident. T'as roulé, bravo. Et après, on fait quoi? On aspire. Oh là là, elle est longue, ces spaghettis. Je me lève pour filmer dessus, parce que vraiment, c'est hyper bien présenté. C'est trop mignon, donc toi, c'est cocktail. Crevettes, avocat. Ouais. Moi j'ai pris une salade gourmande, donc chèvre, miel et amandes.
et Jen une petite tarte tomate et oignon confit. Et la présentation, c'est trop beau. Petite glace à la pêche pour Jessie. Et par ici, on a une crème brûlée. C'est pêche couleur orange avec des petits morceaux à l'intérieur parce que Jessie voulait une glace orange. Et donc je disais petite crème brûlée à partager avec Sam. Et maintenant direction la piscine. La piscine, oui, elle est juste en bas là-bas. C'est ça. Tu veux aussi les lunettes? Oui. T'es sûre? Oui. Je vais les chercher. Voilà madame, les lunettes. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. La couleur de la piscine est magnifique. J'adore. Tu vas nager, petit poisson? Non. En fait, tu veux te serrer, hein? Jessie, à quoi elle te sert tes lunettes sur le fond? Pour la tille! Pour le style? Oui. C'est fou. C'est trop drôle. J'en peux plus. Et on remonte de la piscine pour aller boire un petit coup. Oh là là, j'ai marché dans un trou, je crois. Eux, on est en maillot de bain, hein, parce que c'est ça aussi, le camping. C'est ça. Tranquille, en fait. En mode tranquille. Nous, on aime beaucoup ça, vous avec savez. Avec le chant des cigales. Ouais, c'est ça. Bon, ça, pour le coup, c'est un peu comme à la maison. Ouais. Et après avoir bu, qu'est-ce qu'on va faire? Manger une glace. Manger une glace, peut-être. Une glace, oui. Ça peut être une idée. Oui, on a vu qu'ils avaient des glaces reines des neiges. Ouais. C'est pas trop dans le thème en été, mais elles sont très très sympas ces glaces, c'est vrai. Une glace. Oui, on a déjà mangé une, elle avait beaucoup aimé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça nous a manqué à la piscine. Hein. Franchement, la prochaine fois tu viens. En plus, c'était super sympa, l'eau est hyper bonne. Ah ouais? La couleur est trop belle. Ouais. Tant mieux. Très très chouette. Bon. Il s'est passé pas mal de temps entre maintenant et la piscine, ou la piscine et maintenant, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Parce qu'en fait, quand on est remonté, tout à coup, Jessie nous a dit qu'elle avait mal au ventre. Ouais. Du coup, Sam l'a emmenée au petit coin. C'est ça. Et en fait, ça a commencé à pas être super méga sympa. Non. Elle a commencé par quoi du coup? Diarrhée. Diarrhée? Oui. Sauf qu'en remontant, il y a Jen qui vient me chercher à la tente en courant et qui me dit « Maman, maman, viens vite, Jessie, elle a diarrhée. » Et elle vomit. Oui. Et à partir de là, elle s'est pas arrêtée. Oui. Donc il a fallu partir. Et le médicament. Là, t'es en train de boire le médicament. Du coup, ni une ni deux, on a appelé le docteur. On est allé voir le docteur pour être sûr que c'était rien, qu'il y avait rien de grave. De plus qu'une espèce d'indigestion. Ouais, c'est ce qu'on imaginait. On s'est dit, bon, ça doit être ça, mais on préfère être sûr parce que c'était quand même assez violent. Oui. Le fait qu'il faille la changer 5 fois en moins de 20 minutes. C'est ça. Du coup, plus de peur que de mal, même si on la surveille. Mais en tout cas, il a fait tous les tests qu'il fallait pour qu'on soit rassurés. Ce n'est rien de grave. C'est juste comme ça peut nous arriver à nous de manger un truc et puis ça passe pas, on digère pas. Et puis voilà, indigestion, mini-gastro, enfin on sait pas trop en fait. On verra. C'est un petit mélange des deux. Oui. Donc petit traitement forcément. Du coup, on a demandé à Jessie si on rentrait à la maison. Parce qu'on s'est dit, vu qu'elle n'est pas top, peut-être qu'elle préférera dormir dans sa chambre et tout. Et en fait, elle voulait tellement, mais tellement revenir dormir au camping que, on s'est dit, on lui fait plaisir puisque c'est ce qu'elle veut. C'est ça. Pour qu'elle aille mieux si psychologiquement, ça lui fait plaisir d'être ici, autant ça va aider. Donc, on est revenu au camping? Oui. Oui. Parce que c'est du sirop. Oui, on a mis un peu de sirop pour que le médicament il passe. Oui, avec le turfant. Comme toi. Et tu vas prendre le médicament. Ah oui, non, elle dit comme moi pour le collagène le matin. Eh oui. Parce qu'elle a vu que je prenais, que je mélangeais et tout. Et là, effectivement, on a fait la même chose, pour son médicament. Hein, elle. Oui. Tu prends ton médicament et après on va aller manger. Oui. D'accord. On va voir si ça passe. Tu peux goûter, maman. Oui, merci. Je sais qu'il est bon. Je goûte toujours tes médicaments avant pour être sûre qu'ils sont bons quand on te les donne. Mais là, on a de l'expérience. C'est vrai, en plus. Pour le coup, c'est vrai. C'est pour deux fois bien. Oui, comme ça, chérie. S'il me dit c'est pas bon, je peux dire m'a non, c'est pas vrai. J'ai goûté, c'est bon. Parce que si je bois pas ça, je vais être beaucoup plus malade. Et oui, t'as tout compris. C'est pour ça qu'il faut absolument le boire. Oui. Oui. J'ai bien bu. Oui, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y avait dans le médicament? Le Vigalène, je vais en prendre, ça a l'air drôle. Bon, écoute, je crois qu'on peut considérer qu'elle commence à aller mieux. Le médicament aux enfants comme maman. Aux enfants comme maman, ah oui.
Je suis une enfant, les gars. Oh, ouais, j'ai des assistants lumière ce soir, juste pour vous montrer que Sam grosse a production. Pris une pizza. Ah ouais. Attends. Mais grave. Bah alors. Et moi, une salade César. Et franchement, elle fait trop envie, cette salade. Bon appétit. Voilà. Ça y est, t'es au toto? Oui, ça va mieux ce soir. Oui. T'as ton doudou loup, t'as ton doudou bidou, t'es sous la couette, oui. Tout va bien. Oui. Tu vas faire un gros dodo. Oui. Super. Du coup, on va arrêter ce petit vlog du jour. Oui. Comme vous l'aurez compris, bah, il n'aura pas été très très long parce qu'on a passé pas mal de temps dans la voiture et chez le docteur. Mais à l'arrivée, tout est bien qui finit bien et ça, c'est trop cool. Donc, on vous laisse, on vous envoie plein de gros 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 bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Salut. Ciao. Salut. 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 Je l'ai dit à votre fois. Je l'ai dit à votre fois. Le crabe qui fait des chatouilles. Allez, bisous à tous. Je l'ai dit à votre fois.